Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je me souviens de l'avion, puis le crash, puis je suis tombé. Où suis-je? Merde, où suis-je? Oh non. J'atterris où? Oh mon Dieu. Hey yo tout le monde, c'est Squeezos LOL! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle survie. L'île aux monstres! C'est moi qui l'ai créée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça. Oh putain! Ah! C'est les fourmis! Putain, elles sont géantes! C'est les fourmis géantes! Je savais pas qu'elles étaient méchantes. Ça commence très bien. Monte, monte, monte. Putain, en plus on n'a pas d'armes. Bon, je me souviens déjà que on s'est crashé d'un avion. Donc déjà, c'est une nouvelle survie. Donc le but, ça sera de survivre pendant le plus longtemps possible. Donc ça, c'est ma petite maison. Donc je vous fais la visite. Là, il y a les chiottes. Plutôt joli. Là, il y a mon labo pour aller à la pièce secrète. Bon, on va continuer. Dehors, il y a mon garage et là, il y a ma chambre. Donc voilà. Donc, on peut commencer l'aventure survie. Là, il y a mon garage. Parce qu'on pourra pouvoir se construire une bagnole, vous allez voir. Dans toute l'aventure, on va rajouter des mods. Donc déjà, là où il y a un volcan, je crois. Ouais, il y a un volcan. Alors. On avance. Ah oui, sachez que ma maison c'est un moulin. Donc on va déjà devoir aller à la maison des braconniers. Or sachez que dans cette aventure survie, il va avoir des dragons. Y compris des putains de vélociraptors. Oui, des vélociraptors. Je sais. Tout le monde doit se dire, Valentin, mais tu es fou, tu vas crever, putain. Non, je ne vais pas crever. Peut-être c'est moi qui crée la map, mais je me souviens de plus rien. Vraiment, je viens à peine de la finir. Enfin, je l'ai pas vraiment fini parce que après, il y aura des nouveaux trucs, y compris pendant les vidéos. Mais voilà quoi. J'avais envie un peu de changer la survie des cubes. Du cube. Voilà. Et en plus, c'est mon frère qui m'a dit, quand c'est que tu vas faire une nouvelle survie? Ah, voilà, la tente des braconniers. Sachez que je ne sais vraiment pas où sont les dragons. Je sais qu'il y a des dragons qu'on va pouvoir monter au niveau de l'aventure. Ah oui, il y a des... Regardez les vélociraptors, les gars. Ils sont vraiment trop bien. Mais par contre, ils font ultra mal. Vous avez vu, ils sont trop stylés. Donc, dans ce coffre. Voilà. Oui, j'ai installé un mode avec des armes. On a une M942. Et ça tire rien, regardez. On va pas user les balles parce qu'après, il va falloir faire des recharges et tout. D'ailleurs, je ne connais même pas les crafts. Comme un gros con. Donc voilà. On va garder notre petite M9. Ah non, une M249. Sachez qu'il y a des spawners un peu partout. Alors, faut pas aller dans le nid. Ah oui, aussi, on va pouvoir monter au niveau de l'aventure. Même, on va, c'est comme des chevals. On va pouvoir leur mettre des armures et tout. Les fourmis. Celles qu'on vient que je me suis fait attaquer au début. On va pouvoir les monter. Et mettre des armures, des laisses et tout. Et combattre d'autres monstres. Regardez-là. Regardez, ça c'est la... C'est la fourmilière, je crois. Regardez, il y a le spawner à fourmis. J'ai peur. Ça fait quoi, ça? Oh, putain! Putain, putain, merde. Putain, cours, cours. Ah non, je crois que les vertes sont gentilles. Attends, on va essayer de la monter. Yes! Non! Elle n'a pas voulu! Ah! Elle fait trop mal! Elles font beaucoup trop mal! Putain! Dès que tu veux, dès qu'elle veut pas que tu la montes, eh bien, il te fait mal. Attends, hop, on va reconstruire le devant. Voilà. Cette aventure va être bien, je sens.
Donc on a une petite baie vitrée. On va essayer de monter au volcan. Parce que je crois qu'il y a des œufs de dragon magma. Oui, notre objectif, déjà, premier objectif de notre aventure, avoir une monture. Que ce soit un dragon, une fourmi. Et voilà ce qu'il y a comme objectif. Normalement, je crois que la nuit, il commence à venir, les dragons. Mais normalement, il y a des spawners dans les arbres. De dragon d'Earth. C'est le premier dragon qu'on va devoir monter. Le dragon d'Earth. Il est vraiment trop beau, je vous jure. Regardez les œufs. C'est trop stylé. Ah non, 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 non. Heureusement qu'on est sur une île. Du coup, il y a de l'eau. Ah oui, aussi, il faut faire gaffe parce que dans l'eau, c'est possible qu'il y ait des dragons marins. Oui, des dragons marins. Ne me demandez pas pourquoi. Et aussi, on va pouvoir crafter des gilets pare-balles. Donc la vidéo va pas durer des tonnes d'années parce que c'était juste pour la présentation de notre nouvelle aventure. Trop cool, qu'on va adorer. Donc voilà. Donc c'était juste la présentation. Donc je vais juste continuer à vous montrer tout. On va se venger. Mitraillette. Non, dégage. Mais non! Ah oui, c'est vrai, j'ai mis conservation d'inventaire. Vous en faites pas, pour la prochaine vidéo, on enlèvera la conservation d'inventaire. Parce que en vrai, on est sur une île, c'est pas la peine de le garder. J'aimerais bien vous montrer un dragon en fait. Je crois pas qu'on va pouvoir en fait. Casse-toi, fourmi de merde. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Âme sensible au s'abstenir. Oh, elle donne du sucre! La cocaïne. J'aimerais bien vous montrer un dragon. Mais bon, on va pas avoir le temps. Oui, si vous voyez des ombres, c'est un bug. Hein. Parce que moi, je vois des ombres, perso. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste la présentation de notre nouvelle aventure. Donc, ciao tout le monde! Peace, abonne-toi.